Précédemment dans les dessous du rock. On ne présente plus Oxmo Puccino, l'une des plus belles carrières du rap français. Tu veux aller me couvrir la tournée de ce gros nounours ? Mais vas-y, j'y connais rien en rap. C'est une question d'aller chercher des histoires bien crades, de fouiller la mer, gnim gnim gnim. Et l'ingé son, c'est eux. Coucou, Francky. Oh non, tu vas pas me faire partir avec le croque-mitaine. Ça fait 6 mois que j'avais pas touché une goutte. C'est parti. Chaudet, c'est bon pour toi ? Ouais, je pisse et j'arrive. Attends, mais c'est toi qui l'as fait boire. C'est toi qui l'as fait boire ? Je vais m'en occuper, tu t'énerves pas. T'as déjà essayé la cocaïne ? Voilà. Ok, les gars, on est parti ! Il me tue, ça. Alors, on est avec Eddie. Eddie. Ça, c'est ton nom de scène, j'imagine ? Non. Stéphane, c'est ton prénom ? Non, c'est Eddie. Eddie. Donc, alors, on est avec Stéphane. C'est ton prénom, je veux dire, dans l'absolu. Ouais, c'est Eddie. C'est ce que j'ai dit. Ouais. Steph. T'as déjà caché de la cam dans ta guitare à un passage à frontière ? Non. T'as déjà cassé ta guitare sur scène ou l'a brûlée ? Non. Oxmo Puccino, c'est vrai qu'il a un faible pour des choses. Faible pour quoi ? Hein ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Est-ce qu'il a des dossiers un peu zarbi, il a déjà... Non, il y a rien de spécial. Quoi ? Merci, mec. Qu'est-ce que tu fais ? Attends, qu'est-ce que tu fais ? Tu sais qui je suis, moi ? Tu restes là, tu fais l'interview maintenant. Et tu lui réponds à des questions intéressantes que je te pose. Est-ce que t'as déjà vomi dans non. ta guitare ? Qu'est-ce que tu fais, là ? Mais... Hé ! Hey ! Mais quoi, et... C'est ça ta bagarre de rocker ? Eddie... Le musicien Baltringue. Fils de pute. Quoi ? Je sais pas qui t'es, mec. Tu sais pas qui je suis ? Et toi, t'es qui, toi, avec ta moustache à scratch, là ? Je vais t'installer ton micro. Ouais. Je vais te faire ça bien. Ouais. Ça, c'est le costume de mon père. Quand il est mort, j'ai été le chercher dans sa tombe. C'est bon. Ok. Je te laisse. Ouais, c'est mieux. Je vais appeler ton ex pour la baiser au téléphone. Alors, toi, t'es pianiste, c'est ça ? Entre autres, ouais. Trouve pas, toi, le piano, c'est un peu un instrument de riche, de bourgeois. Trouve pas ça incohérent, toi, qui portes un keffier. Musicalement, par rapport à Elton John, toi, tu te situerais comment sur une échelle de 1 à Depp ? Tu bosses pour quel magazine pour moi poser, ouais, j'ai fait beaucoup de magazines. J'ai fait Rolling Stone Magazine, j'ai fait Variety, ouais. J'ai fait Rock and Folk. Club Dorothée, non ? Ah. Qu'est-ce qu'on a rigolé, tu te souviens ? Ouais, tout à l'heure par rapport à ta blague ? Alors la créativité, l'ébullition, tout ça, ça se nourrit comment avec Oxmo, les séances de travail ? Comment vous créez ensemble ? Avec Oxmo en tout cas déjà. Lui il arrive avec des maquettes, avec des morceaux presque finis, et puis on essaie d'arranger ça pour le live. Ouais, tout, arrête, vas-y, sérieux, arrête. Attends, mais ouais. Pour une fois que tu me poses une question. Non, bah écoute, parce que franchement, je suis pas Laurent Boyer. Là depuis tout à l'heure. Ouais, ça, c'est sûr que t'es pas Laurent Boyer. Eh ben, suce-le, Laurent Boyer, qu'est-ce qu'il y a, on dirait c'est le messie de quoi ? L'autre musicien, il est où ? Il veut se faire interviewer dans sa chambre. Oh là là, dans sa chambre, ça va être chaud, en mode Strauss-Kahn. Moi, avec son ex, je passe jamais dans des chambres, je préfère les parkings. T'es un bon, toi. Ouais. Je suis gothique. Quoi ? J'ai rien fait ! C'est Franck, c'est pour l'interview ! Faut que tu m'aides, s'il te plaît. Pourquoi t'as ramené lui ? Mais en fait, j'étais juste en bas chez ma mère. C'est de la merde. Je m'en sors maintenant. Tu lâches ça ! Elle est fraîche. Aide-moi ! Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Regarde, c'est une connerie ! Quoi ? Bordel. Elle est morte ! Est-ce qu'elle est morte ? Je sais pas ! C'est bon. Arrête ça, putain ! Attends, essaie de trouver une solution ! D'espèce de taré de merde ! Tu vas faire ta bouche là ce soir, et tu vas assurer, t'entends ? Oui, t'as une idée, ok ? Oui. Vous la détachez, vous la mettez sur le lit ! Ok, Franck, t'inquiète pas, je vais être un leader, comme t'aimes. C'est bon, calme-toi, t'es où le temps ? Il te reste encore un petit peu de GHB ? Hein ? Elle a conscience encore, là. On va se faire un petit trisome, tous les trois. Hein ? Tu vas jouer la femme ? Ouh, sensible. Vas-y, fais-moi la femme pour voir. Oui, c'est ça. C'est exactement ça, j'adore ça. Pour la caméra, tu te mets là, tu me fais un truc à la Francis Weber, tu vois. Ou Toledo Nakash. On va mettre un petit peu de Fat Boy Slim, là. Allez, c'est parti ! José ! Oh ! Est-ce qu'il te reste encore de la cam que je t'ai filé tout à l'heure ? Oh, c'est quand je viens de tout finir, là ? Mais 700 grammes ? Mais non ! J'ai une gamine qui se réveille plus. Eh ben, faut la brancher ! Comment ça ?
J'ai eu le même problème avec le quart d'un pote, on lui a mis un coup de jus et bim, c'était reparti. Mais non, non, non. Enlève-toi. Putain, on y va. Le numéro du mec. Attends, vous êtes sûr de vous là? Non. À mon avis, faut bien la mouiller, comme ça après elle est bien électrocutée. Mais ta gueule, Chucky. Tais-toi un peu là. T'as pas vu la ligne verte, toi? De toute façon, t'es pas objectif parce que j'ai baisé ton ex. Ok. Tu vas la brancher par où? Les sourcils. Poussez-vous! Tous ces hommes autour de moi, je suis gâtée. Pas le nord, celle-là, j'en peux plus, je suis chargé depuis deux jours. Qu'est-ce que tu fais? Je suis chaud là, je suis chaud. Arrête tes jours. Conneries là, arrange juste... ça. Laisse-moi juste lui pisser dessus, s'il te plaît. Casse-toi! On part en délire, Fifi? Mais pas du tout, toi, range-moi ce bordel! Mais on l'électrocute pas! On électrocute personne, range-moi ce bordel! Et puis toi, rabis-toi là! Et rappelle tes parents, je sais pas, et puis toi aussi, rabis-toi! Mais merde! C'est pas que ça le rock! C'est aussi des problèmes de société, de la géopolitique! Merde!